أهلا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير في الكونفينمون هذايا. صحيح الرياضة طوالت، لكن تسخى دي مال بور دي بيان، معناتها نضحيو شوية نتعبوا شوية. الضغط النفسي يقوى علينا شوية، ولكن باش نحميو رواحنا ونحميو العزيز علينا وما نتوجعوا في حد. مش مشكل تلامذتي، تعرفوا انتم قداش غالين عليا، تعرفوا قداش الأساتذة الكل، أصحابي الكل، زملائي الكل، معناتها موجوعين اللي ماهمش في أقسامهم، موجوعين اللي انتم متقلقين، ولكن احنا معاكم وديما هكا سؤالاتكم نجاوبوا عليهم وننتيغاجي افيك فو، معناتها على الميسنجر بأي طريقة. اوني لا اوني اوتور دو فو، ما تبداوش متقلقين، مش تعديوا الباك نتاعكم بقدرة ربي. Et on est là et on serait toujours à vos côtés. Bêche, tout le monde est qui me t'aime tout le monde. Et l'axe, la période de la dette, où les mesdames ne font pas de temps, ce sera l'occasion pour exceller. Bêche, t'as le résultat. Des films t'as comme match en jeu. Des films t'as comme t'as en mention. Et vous êtes capable. Prodre Trabi. Bon, à travers vous, لصحابي العائلة البعيدة العائلة القريبة الجماعة الكل، إن شاء الله تكونوا كلكم بخير. اليوم دونك جو في كومونسي باغ ان شابيتر كي انتيريس، معناتها شنو اللي عايشينه احنا تو الكوفيد 19، البريسيون اللي عايشينها، بريسيون بسيشيك سورتو، ها دونك سي لو ستريس. دونك جو في كومونسي باغ لو ستريس اي لا دروغ ou bien les drogues, dans le cadre de l'hygiène du système nerveux. Bon, je vais aller tout doucement. N'hab ouraq koum andkoum. N'hab t'ordou des notes. On bat. Bien sûr, moi je t'aoua bach n'jaoua bach khatr hat l'appareil. Ma'anetha, bach n'am l'projection, donc ma n'ajam ch n'akra ch n'ouali bach t'ektbou. D'accord? Les réponses, ça sera un bat sur Messenger, cas par cas. Je vais essayer de satisfaire tout le monde et de répondre à tout le monde. Vous enseignez, c'est ma passion. Et c'est la passion de la plupart des enseignants. On n'exerce pas une simple profession. D'accord? Et on ne peut être épanoui que binet, comme fuyost, comme un tourma. Nabdeu, Inch'Allah. Donc, je vais vous présenter le thème numéro 4, la neurophysiologie, le chapitre 5, hygiène du système nerveux, qui intéresse donc les élèves aussi bien de la 4e année sciences que la 4e année maths. Donc, étant donné la fragilité, la complexité et le rôle fondamental du système nerveux, une bonne hygiène est à la base d'une saine vie physique et morale. Vous savez que le système nerveux, bien sûr, assure notre lien avec l'environnement et nos comportements volontaires, nos comportements involontaires, les réflexes, le fonctionnement de nos organes vitaux, l'accélération du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, le ralentissement, donc pour modérer un peu donc, selon les facteurs de l'environnement. Donc, sauf que le bon fonctionnement du système nerveux est menacé actuellement par certains facteurs agressifs comme le stress et la consommation des drogues qui endommagent plus ou moins gravement la santé. Donc cette hygiène consiste à assurer un bon fonctionnement du système nerveux, connaître la nocivité des drogues pour l'éviter, déterminer les dangers de la fatigue nerveuse, le stress, et en chercher la prévention la plus efficace, ou bien les moyens de prévention les plus efficaces. Donc on va essayer de rechercher ou bien de savoir qu'est-ce qu'une drogue, quels sont les modes d'action des drogues, et particulièrement la cocaïne dans votre programme, et quels sont leurs effets nocifs sur le système nerveux et le comportement. Le deuxième volet, ça sera, bien évidemment, dans les conditions pareilles qu'on vit, le stress. Qu'est-ce que le stress? Quels sont les facteurs et les conséquences sur l'organisme et le comportement? Comment préserver un bon fonctionnement du système nerveux? Donc, vous avez une multitude de sortes de drogues.
Ici, par exemple, l'ecstasy, les antidépressifs, donc prescrits par des psychiatres. Ici, l'héroïne, ou bien aussi de même catégorie, les dérivés morphiniques, le haschich, donc la fameuse, donc qu'on appelle au courant Zatla, donc le cannabis, bien le qanop, d'accord, voilà la plante, et la cocaïne qui est extraite aussi d'une plante, la plante de coca. Donc, l'action de ces drogues est vraiment dégradante. Ça dégrade l'organisme, ça dégrade la société, ça dégrade, ça détruit, pas dégrade, la famille. Donc, et combien de jeunes qui commencent par essayer dans un groupe d'amis, soi-disant pseudo-amis, hein, parce que les amis, ça n'apprend pas la drogue. Donc, il va essayer la première cigarette, il va essayer l'alcool, il va essayer la drogue. Et là, ça commence la destruction de sa personnalité qui est déjà affaiblie, et la destruction de la famille. Combien de jeunes osent agresser ses parents pour avoir l'argent pour avoir ces poisons-là? Donc, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, une drogue est toute substance naturelle ou synthétique qui peut modifier la conscience, l'ouïe, et le comportement de l'utilisateur par son action perturbatrice sur le système nerveux et bien sûr le fonctionnement de ce système nerveux. L'effet du cannabis sur les conducteurs, drogue illicite prétendue douce. Donc ces faibles drogues ou prétendues douces sont illicites. Illicites, c'est-à-dire non autorisées par la loi. Donc regardez. Ici, on va essayer de voir le nombre de voitures renversées en virage. Pour les non-consommateurs à 40 km à l'heure, aucune voiture renversée. À 55 km à l'heure, 4 voitures renversées en virage. Pour les consommateurs, même à 40 km à l'heure, qui est vraiment un patinage, il n'y a pas vraiment de vitesse, donc 2 voitures renversées et qui passent au double pratiquement en virage. Regardez le temps de réaction. Presque une demi-seconde pour réagir et freiner, par exemple, lorsqu'il y a un obstacle ou quelqu'un coupe la route. D'accord? Avec une distance de freinage, 54 mètres. Alors que c'est le double pratiquement pour les consommateurs de cannabis qui est l'équivalent de Zatla, par exemple. Donc, est-ce que, en consommant ces drogues, est-ce qu'on nuit seulement à notre santé? Eh bien, on provoque des accidents, on provoque des désastres dans la société. Donc, on nuit aux autres. Donc, chez les consommateurs, il y a la perte de contrôle, les réflexes qui sont vraiment retardés, tels que le freinage. Le freinage ici, c'est un réflexe conditionnel par apprentissage, et le manque de concentration, ce qui provoque des accidents beaucoup plus fréquents. La toxicomanie, c'est un problème principal donc de santé publique et un enjeu majeur de la société, qui dégrade vraiment la société. La définition de la toxicomanie, donc c'est un état de dépendance physique et ou psychique vis-à-vis d'un produit et s'établissant chez le sujet à la suite de l'utilisation périodique ou continue de ce produit-là, selon l'Organisation mondiale de la santé toujours. Bon, vous me dites, comment il peut y avoir la dépendance psychique sans la dépendance physique, par exemple, quelqu'un qui fume pendant quelques mois, et même le tabac, qui est vraiment un excitant, est considéré aussi comme une drogue faible. Donc, l'individu, lorsqu'il est énervé, il allume une cigarette, même physiquement, peut-être qu'il n'en a pas besoin. C'est au niveau de sa tête que ça se passe. Et ça dépend aussi de la fragilité de notre personnalité, les conditions de vie, les conditions de l'environnement. Donc, on devient de plus en plus des fois susceptible, et lorsqu'on a vraiment une forte personnalité, on ne tombe pas dans un piège pareil. Donc, ça crée un état de dépendance. Et regardez sur la santé. Cette dame-là, en 2010, regardez son état de santé. Et après quelques années de dépendance à la drogue, un amaigrissement, la peau qui est détériorée, regardez cet homme-là, un état de vieillissement de la peau. Et un amaigrissement. Donc, parmi les conséquences les plus graves,
Les conséquences directes de la drogue, c'est l'insomnie, c'est la dépendance, c'est l'état dépressif. On est plus vulnérable pour être malade, etc. Mais à long terme, c'est une destruction totale de l'organisme. Et donc, c'est une aliénation, une privation de la liberté. On dépend d'un poison pour vivre, puisque le toxicomane est étroitement lié à sa drogue. La consommation de la drogue devient supérieure. Et ça passe vraiment avant tout. Le plus grave, c'est que cette dépendance sera suivie par, tôt ou tard, par une tolérance, une accoutumance. C'est-à-dire que la même dose qu'il prend normalement sera insuffisante pour avoir la même sensation de plaisir. Et là, le toxicomane aura tendance à augmenter les doses. Voilà. Donc, c'est une adaptation de l'organisme à la drogue. Donc, il y a nécessité d'augmenter les doses pour éprouver les effets recherchés, d'où le risque d'overdose qui est généralement mortel. On va voir les drogues et la transmission synaptique, l'action spécialement de la cocaïne que vous avez dans votre programme. Donc, parmi un grand nombre de neuromédiateurs, la dopamine, la sérotonine, etc., donc la dopamine spécialement, elle est disponible dans une zone de récompense du cerveau au niveau du système limbique. Donc, cocaïne, ecstasy, tabac, ça c'est la cocaïne, ça c'est l'ecstasy, ces comprimés-là, ça c'est le fameux tabac, l'alcool, des produits qui déclenchent une dépendance et qui ont en commun la propriété qu'ils augmentent la quantité de dopamine dans certaines zones du cerveau, empêchant sa recapture ou l'action de l'enzyme qui l'hydrolyse. On va voir en détail ceci. Donc la cocaïne, tout simplement, c'est un stimulant euphorisant. Et ce qu'il y a de grave dans cette drogue, c'est que c'est un excitant majeur. Et ça donne une sensation de force. Donc cette sensation de force ramène le drogué, le toxicomane, à commettre des crimes, de kidnapper, de voler, de se sentir trop fort au point qu'il se sente peut-être capable de détruire un mur, quoi. D'accord? Donc, elle est consommée, elle représente seulement 1% de la feuille de coca, qui c'est une plante qui est cultivée à l'Amérique du Sud. Elle est consommée par voie nasale ou intraveineuse sous forme d'injection et de durée d'action assez courte, environ 1 heure après l'inhalation si c'est par voie nasale. Donc voilà la plante, voilà la feuille de coca. Elle sera desséchée, elle sera broyée, et puis par un traitement, elle sera sous forme de poudre. Donc l'état de santé du toxicomane, insomnie, perte d'appétit, d'où l'amaigrissement, perte de concentration, une apathie intellectuelle, les mots bêlettes, donc indifférence totale et un état dépressif. Quel est l'effet de la cocaïne sur les synapses? Donc, l'action de la cocaïne sur la synapse à dopamine. Donc, regardez ici et on va rappeler un peu la transmission synaptique au niveau d'une synapse neuroneuronique excitatrice. Donc, vous savez, ici, voilà, c'est une jonction neuroneuronique. Donc, vous savez tout d'abord qu'il y a l'arrivée d'un potentiel d'action, l'ouverture des CBD, CA2+, l'augmentation de la concentration des ions CA2+ dans le bouton synaptique provoque la migration des vésicules synaptiques qui vont exociter leur neurotransmetteur excitateur dans la fente synaptique. Ce neurotransmetteur sera fixé sur des récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique, provoquant l'ouverture des canaux chimio-dépendants à Na+. L'entrée des ions Na+ va diminuer la négativité interne à l'origine d'une dépolarisation. D'accord? Généralement, le neurotransmetteur, soit il est recapturé pour remplir de nouveau les vésicules synaptiques et il y a retour de la synapse à l'état de repos, soit que le neurotransmetteur tel que l'acétylcholine sera dégradé au niveau de la fente synaptique par une enzyme, l'acétylcholinespérase,
Et puis, la colline sera recapturée pour reconstituer l'acétylcholine au niveau des vésicules synaptiques. Bon, dans notre cas, ça c'est une synapse à dopamine, ça c'est un neurone dopaminergique, donc qui libère la dopamine. Les étapes, l'arrivée d'un potentiel d'action jusqu'au bouton synaptique au niveau de la terminaison axonique, l'ouverture des canaux voltage dépendants par la DDP 30 millivolts du PA et l'entrée de ces ions qui provoquent l'exocytose de la dopamine. Et c'est ce neurotransmetteur qui se fixe sur les récepteurs de la membrane postsynaptique, provoquant la dépolarisation. Et c'est ce neurotransmetteur qui est à l'origine de la sensation de plaisir. Faites attention à cette remarque-là. Donc c'est la dopamine qui est le neuromédiateur du plaisir. Comme la sérotonine d'ailleurs, c'est un neuromédiateur de joie. Donc, ensuite, la dopamine sera recapturée par des transporteurs au niveau de la membrane présynaptique pour le retour à l'état normal. Et par exemple, ceci se passe lorsqu'on vous raconte une blague ou bien vous êtes content. Donc, ça passe rapidement. On ne va pas rester des minutes ou bien de suite, sauf si on est dans un état hystérique. Donc, on récapitule un peu l'arrivée des potentiels d'action jusqu'au bouton synaptique. Généralement, le message nerveux, il est codé en modulation de fréquence et c'est une série, c'est un train de PA qui arrive. Donc, l'ouverture des canaux voltage dépendants CA2+ et l'entrée de ces ions dans le bouton, l'exocytose des vésicules synaptiques et la libération de la dopamine, la fixation de ce neuromédiateur sur les récepteurs spécifiques de la membrane postsynaptique, la dépolarisation de la membrane postsynaptique, d'où la sensation de plaisir. Et ensuite, la recapture de la dopamine par les transporteurs de la membrane présynaptique et retour de la synapse à l'état de repos et la sensation de plaisir est passée. Bien sûr, il y a toujours un minimum de sensation de plaisir qu'on vit avec. Il n'y a jamais une synapse qui est totalement au repos. Ensuite, maintenant, en présence de la cocaïne, qu'est-ce qu'elle va faire cette drogue? Donc, quel serait l'effet de la cocaïne sur cette synapse? Regardez. Donc, la cocaïne, elle a une architecture moléculaire qui ressemble un peu à la dopamine. Elle va se fixer sur les transporteurs à dopamine de la membrane présynaptique. Donc la cocaïne n'a aucun effet, aucune action sur la membrane postsynaptique. De ce fait, qu'est-ce qu'il va y avoir? L'exocytose de la dopamine va provoquer donc une saturation de la fente synaptique en dopamine, et puis la série de dépolarisation qui va avoir lieu dans l'élément postsynaptique, et la sensation de plaisir est prolongée. Donc, fixation de la cocaïne sur l'élément présynaptique au niveau des transporteurs à dopamine. La saturation de la fente synaptique en dopamine et la sensation de plaisir qui est prolongée. Donc, l'effet de la cocaïne, c'est de prolonger la sensation de plaisir. Et qui est conséquence de la dopamine. D'accord? Aucun effet de la cocaïne, c'est-à-dire. Elle n'est pas à l'origine de la sensation de plaisir. C'est la dopamine qui est à l'origine de la sensation de plaisir et la cocaïne a empêché la recapture de la dopamine. Donc, j'espère que c'était clair. Si vous avez des questions, donc vous les posez après sur Message et je vais répondre cas par cas à vos questions. J'espère que ce n'était pas trop rapide. Donc, on va passer maintenant au stress. Et qu'est-ce que vous entendez dire par stress? Est-ce que le stress, c'est le facteur qui nous ennuie? Est-ce que le stress, c'est notre comportement vis-à-vis de ces facteurs-là? On va voir. Donc, on vit maintenant sous la menace, sous la pression de ce coronavirus, le Covid-19. Et regardez, au niveau de notre pays, toutes les régions sont menacées par ce virus et entièrement dans le monde. Donc, on était obligé de subir ce confinement, qui est le moyen le plus efficace, hein, pour éviter la propagation de cette maladie un peu partout. D'accord? Donc, parmi les facteurs de stress, vous voulez réviser,
et en même temps, tout est flou. La date de votre examen n'est pas encore définitivement précise. Réviser quelle partie sera dans l'examen. Donc, voilà, tout ceci sont des facteurs de stress. Le bruit, donc là, en course contre la montre, avec un rythme fou, le calendrier, le travail ou bien les études, l'examen, ce sont des facteurs stressants, une façon de se décompresser un peu. Donc le stress désigne un état de tension de l'organisme en réaction aux contraintes ou pressions, c'est-à-dire agressions exercées sur lui. Les contraintes ou agents stressants peuvent être physiques, comme la chaleur, le froid, le bruit, ou psychologiques. C'est ce qu'on subit pour le moment. Les fortes émotions, la joie, la tristesse, la frustration, les examens, le drame, deuil, perte d'un travail, avoir un examen bientôt, savoir qu'on est atteint par une maladie grave, par exemple. Hein, notre famille, quoi. Les manifestations du stress. Vous avez l'activité 1, page 254. D'après cette activité, on a pu tirer trois phases. La phase d'alarme ou d'alerte, qui est très courte, de quelques minutes au maximum. Si par exemple un chien aboie derrière vous, une voiture qui freine lorsque vous coupez la route, hein, donc vous êtes effrayé, soit la réaction demande, elle est rapide, elle demande beaucoup d'énergie, soit vous réagissez rapidement, soit c'est la fuite, soit des fois selon la personnalité, selon le cas, une personne peut s'évanouir, elle lâche directement. Donc, ensuite, si ce facteur de stress persiste, et par exemple, c'est ce qu'on vit maintenant, c'est le Covid-19 ou bien le coronavirus, la phase de résistance ou d'adaptation, on s'adapte. C'était dur les premiers jours, mais maintenant on s'adapte. Donc c'est une phase qui est plus ou moins longue selon le cas, quelques heures à quelques jours, dépend aussi de l'état de santé et de la fragilité de la personne. Jusqu'à quand? Par exemple, si on est dans un stress de maladie grave, de kidnapping, je ne sais pas, n'importe. Et ça dépend de la personnalité aussi. Quand est-ce qu'on aboutit à la phase d'épuisement? Elle est assez longue, quelques jours, à une durée indéterminée, chacun selon son organisme, selon son état de santé, selon son état psychique, selon son état physiologique, dépend aussi de l'état de santé de la personnalité. Donc les signes ou les symptômes qui accompagnent chaque phase. Dans la phase d'alarme, directement, il y a une vigilance très importante, une pâleur, une horripilation, c'est-à-dire d'accord? Les cheveux dressés, la sueur froide, l'accélération du rythme cardiaque et respiratoire, cette manifestation, elle est vraiment dans tous les cas pratiquement existante. Augmentation de la pression artérielle. Dans la deuxième phase, toujours l'accélération des rythmes respiratoires et cardiaques. L'augmentation de la pression artérielle, une hyperglycémie avec diminution des réserves en glycogène. Vous savez que les réserves en glycogène existent au niveau des muscles et du foie. Donc, on va essayer de rechercher pourquoi. La phase d'épuisement, elle est caractérisée par une fatigue générale intense, des troubles de comportement, une insomnie, une apathie, une indifférence, l'installation des maladies psychosomatiques comme la dépression, les ulcères, les infections. Vous savez, lorsqu'on a beaucoup d'aphtes au niveau de la bouche, de la cavité buccale, généralement c'est un signe de stress. Donc, pour la phase d'alarme, ça permet des manifestations, ce sont des manifestations qui mettent l'organisme en alerte afin de se défendre contre l'agression, et ce sont par des actes rapides. La phase de résistance. Il y a pendant cette phase des manifestations qui permettent la mobilisation des ressources énergétiques de l'organisme afin de s'adapter à la nouvelle situation. Donc, notre mode de vie qui a changé toute cette période-là, c'est une forme d'adaptation. Et par exemple, beaucoup d'entre vous essaient un peu de cuisiner, de trouver autre chose pour se défouler, donc, et fuir un peu, sans des mouvements déplacés, pour fuir à la situation. Et puis à la fin, c'est l'affaiblissement de l'immunité de l'organisme et exposition à diverses infections. Donc, on va voir les manifestations physiologiques maintenant dans l'organisme.
Si vous vous rappelez dans la reproduction, dans le chapitre, dans le thème de la reproduction, nous avons vu le rôle très important de l'hypothalamus et l'hypophyse, avec les deux lobes de l'hypophyse. Donc, nous avons étudié le lobe antérieur de l'hypophyse, lié par la tige pituitaire. Ici, bon, l'hypophyse, on peut l'appeler aussi la glande pituitaire. Nous avons ici la thyroïde, le rhode adraqué. Nous avons ici les glandes surrénales. Et vous savez déjà que les glandes surrénales sont formées de deux parties. Une partie centrale, ce sont les médullosurrénales, et la partie corticale, dima cortex ou al-qasha, donc, ce sont les corticosurrénales. Ces glandes, comme le nom l'indique, ont une fonction endocrine et vont libérer des substances chimiques, des hormones, pour contrôler la situation. Donc, les manifestations physiologiques du stress. Vous avez l'activité 2, page 255. Il y a trois phases dans l'évolution de l'état de stress, comme déjà mentionné dans le tableau précédent. La première phase, le mécanisme nerveux du système orthosympathique. Donc, regardez. Bien sûr, j'oublie pas, comme je vous fais toujours la remarque, de mettre les plus. Ça désigne quoi? Stimulation, à la fin de chaque bilan, quoi. Donc, le facteur stressant, ou bien le stimulus stressant, vous avez vu quelque chose qui vous agresse, vous avez entendu un bruit brusque, n'importe, il va agir sur l'organe du sens, les yeux, les oreilles, le nez, une mauvaise odeur. Hein? Le message va passer, va stimuler le cortex cérébral, qui va stimuler lui-même le système limbique au niveau de la substance blanche du cerveau, pour stimuler la moelle épinière et le système sympathique, le système accélérateur. D'accord? Le système sympathique va permettre la libération de la noradrénaline au niveau du cœur. Et ça va stimuler à travers un nerf qui innerve les glandes surrénales, le nerf splanchnique, pour stimuler les médullosurrénales et libérer l'hormone d'alarme, l'hormone d'urgence, l'adrénaline. Et il y a certains films d'action où le titre même, c'est l'adrénaline. Donc, c'est le rôle fondamental de cette hormone pour adapter l'organisme à ces nouvelles, ou bien à cette nouvelle situation. Donc, ça agit sur les organes cibles, le cœur, vaisseaux sanguins, les poumons. Donc, le cœur pour accélérer son rythme, les vaisseaux sanguins pour faire une vasoconstriction, les poumons pour accélérer le rythme. Et donc, il y a augmentation du rythme cardiaque, augmentation du rythme respiratoire et augmentation de la pression artérielle comme conséquence. J'espère que ceci est bien clair. Et j'espère que vous suivez cet exposé-là sur le PC. C'est plus pratique que sur le smartphone. Donc, la deuxième phase, c'est la phase de résistance. La phase d'adaptation, le mécanisme hormonal, donc par le système endocrinien, c'est le suivant. Toujours le facteur stressant qui persiste, voilà, le stimulus stressant qui agit sur les organes de sens, toujours le même contexte tout à l'heure, qui va stimuler notre centre intégrateur qui est l'hypothalamus. L'hypothalamus, si vous vous rappelez dans la reproduction, il libérait une gonadolibérine, d'accord, qu'on appelait GnRH. Donc toujours les neurohormones libérées par l'hypothalamus, donc raising hormone. Donc nous avons ici la TRH et la CRH. T, ça désigne la thyroïde, et C, c'est les corticosurrénales. Donc ça va stimuler ces deux neurohormones, ça va stimuler l'hypophyse antérieure toujours, comme nous l'avons vu pour la reproduction. Cette hypophyse antérieure va libérer deux hormones qui agissent à distance à deux niveaux. L'ACTH va stimuler les corticosurrénales qui vont libérer le cortisol. La TSH va stimuler la thyroïde qui va libérer la thyroxine. Ces deux hormones-là agissent sur le foie, le cœur, les muscles, pour favoriser la néoglucogénèse. Et si vous vous rappelez, la néoglucogénèse, c'est la formation du glucose à partir de composés non glucidiques au niveau du foie, qui va stimuler l'glycogénèse, la formation du glucose. D'accord? Et ça stimule donc l'activation du cœur et des muscles. Ça stimule le métabolisme énergétique produisant de l'ATP. Donc l'ATP pour donner de l'énergie,
Et la mobilisation du glucose comme un nutriment, le nutriment le plus important, énergétique. Voilà, donc les différentes étapes. J'ai utilisé le pointeur. La troisième phase, c'est la phase d'épuisement. Donc l'individu est fatigué, indifférent et déprimé, avec possibilité d'apparition de certaines maladies psychosomatiques, telles que la dépression, les ulcères, les constipations, les troubles cardiovasculaires. Donc, à forte dose, donc le cortisol et l'adrénaline vont inhiber, puisque ce sont des immunodépresseurs, le système immunitaire, il y aura affaiblissement des réponses immunitaires, d'où l'installation des maladies psychosomatiques. Et c'est pour cette raison, lorsque vous avez eu des inflammations, le médecin a tendance à éviter au début les corticoïdes, d'accord? Pour ne pas affaiblir votre système immunitaire. Voilà. Donc, comment gérer sans stress? Ça sera la dernière partie de notre chapitre. Comment éviter tout ceci? Donc, il faut agir sur l'alimentation, il faut bouger, même si on ne sort pas, il faut dormir suffisamment, il faut prendre soin de soi. Donc, dormir suffisamment, afin de récupérer, c'est le plus important. Il faut garder un rythme normal. Il faut donner la chance à notre organisme de récupérer pour ne pas passer la journée ainsi, d'où les maux de tête. Donc, regardez par exemple ici. Une insomnie d'une nuit. Regardez. Les cernes, les yeux cernés, donc le visage un peu pâle, mais quelques jours, regardez l'état. Donc, ça peut rendre l'organisme susceptible d'attraper des cancers, des diabètes, des maladies cardiovasculaires. Donc l'organisme ne pourra plus résister, donc il faut dormir suffisamment. Il faut éviter les excitants, comme le tabac et le café. Et j'espère que beaucoup parmi vous, bien d'entre vous, a arrêté cette période-là de fumer. Donc, regardez ici, café et colère. On t'amène ton café, tu nous amènes ta colère, puisque c'est un excitant. Donc, manger d'une façon équilibrée en favorisant les légumes et les fruits. Donc, respecter un peu cette pyramide que vous connaissez. Surtout, la nutrition doit se baser sur les légumes et les fruits pour avoir une bonne santé et puis qu'elle soit un peu variée. Faire du sport. Avec les moyens de bord, on peut faire du sport et on peut se défouler même chez nous, dans une petite pièce, sur un matelas, et avoir une activité physique régulière. Mais dans les conditions normales, je parle, faire du vélo, de la marche, de la natation. Et ça ne peut que faire du bien à la santé, aussi bien lorsqu'on est jeune que lors de notre vieillissement. Ne pas s'accrocher d'une façon exagérée au smartphone. Vous êtes en classe, ça y est, ça vibre ou bien. Donc, vous regardez le smartphone, toujours sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Donc, et ça, c'est la maladie de cette période. Vraiment, on devient accro et ça ne concerne pas les jeunes seulement, même les adultes. Hein. Donc, voilà. Même en famille, on ne peut pas être en famille. Chacun pour soi et Dieu pour tous, comme on dit. Regardez ici, dans une bibliothèque, par exemple. Regardez là. Donc, est-ce que ce petit groupe-là trouve le plaisir de boire un café et discuter. Chacun est accroché à son téléphone. Et maintenant, même par l'OMS, c'est grave ce smartphone. C'est une forme de toxicomanie aussi. Regardez cette belle présentation. Savoir prendre du temps pour soi-même au quotidien. Lecture, musique, promenade dans la nature, partir en vacances. Voilà, par exemple, soit écouter de la musique, soit jouer de la musique. Donc, se défouler. Donc, se décompresser de n'importe quelle manière, si on aime la mer, si on aime la forêt, partir un peu en promenade, des randonnées, voilà, entre amis, en famille. Ici, on joint l'utile à l'agréable, c'est entre collègues, avec le grand écologiste de notre Tunisie, donc c'est Sissahid Mulla que je salue par cette occasion. Donc ici aussi, c'est le petit écologiste, quoi, ou bien le pseudo-écologiste moi-même, donc avec un petit groupe. Et ça fait du bien. J'espère que c'était clair. Je vous remercie pour votre attention
Essayez d'avoir le manuel scolaire, donc toujours lorsque vous étudiez n'importe quelle partie, et revoir toujours le cours et les activités. On ne peut pas faire des séries et travailler des exercices sans voir les activités du cours. Donc, je vais répondre à vos questions lorsque je pourrai, mais bien sûr, ce sera aujourd'hui sur Messenger. J'espère que c'était clair, j'espère que j'ai pu apporter un plus. Demain, je vous dirai demain après-midi ou après-demain, Inch'Allah, je vais passer au muscle, donc pour faire une petite révision du muscle et à une correction d'un problème. Ce sera le bac 2014, je pense. D'accord? Inch'Allah, نشوفكم ديما بخير وإن شاء الله نكون عاونتكم شوية وأني موجود معاكم وصحابي وزملائي الكل موجودين معاكم في كل وقت فريمون كلهم قاعدين يخدموا مع تلامذتهم وانتم ما عليكم كان تكونوا مورالمون قويين مورالمون حاضرين الباك مش تعديوه وإن شاء الله تجيبوا لي مونسيون vous êtes capable ما ثماش ان élève qui n'est pas capable. Juste la bonne volonté et la persévérance. Ma ntayhouch le ma tihch le hwa ntaana, ma ntayhouch le rythme ntaana. Ouais. Je vous remercie, à très bientôt.